Et surprise du côté du Sporting Club de Bastia, Tony Vérel est titulaire aux côtés du jeune Burkinabé Konombo, 18 ans. Frédéric Ney est sur le banc des remplaçants, tout comme Djibril Sidibé. Attention à Piocel, l'ancien Nantais qui alerte justement Konombo. Konombo qui a pris de vitesse Camara, mais qui n'arrive pas à ajuster sa frappe face à Jérémy Jeannot. Konombo titulaire pour la deuxième fois cette saison. La première fois, c'était face à Monaco. Elibop veut du mouvement côté stéphanois. Il y en a avec Zokora, Pascal Feinduno avec une frappe, non, il préfère temporiser, ballon contré par Piocel qui le redonne à Sablé, la frappe de Sablé et l'ouverture du score après 8 minutes de jeu dans cette première période, après cette erreur de relance de Sébastien Piocel courtisé par la Sampdoria de Gênes. Mais en tout cas pour Sablé et les Verts, ça fait bien 1-0 et troisième but cette saison pour le capitaine Julien Sablé. Le match en tout cas est parti à vive allure avec Frédéric Mendy pour Sablé. Sablé qui tente sa chance une nouvelle fois, et cette fois Nicolas Pento qui détourne ce ballon du bout des gants en concédant un corner. Et voici ce corner, ça pousse derrière le but de Pento. Corner de Pascal Feinduno. Le ballon s'élève, la tête d'Ilunga. Pento qui parade et Frédéric Mendy qui n'arrive pas à ajuster le gardien à bout portant. Regardez, il aurait pu mettre le pied droit, mais c'est vrai que le petit Mendy est un véritable gaucher. Toujours 1-0 dans cette rencontre. Le Sporting Club de Bastia s'en sort pas trop mal. Bastia est dominé dans cette première période et on retrouve Pascal Feinduno. Feinduno pour Mendy. Mendy le centre, il y a Piquion, il y a Elbuic, ballon cafouillé, retour de hors-jeu pour Frédéric Mendy. Ils ont encore eu chaud les joueurs de François Cicolini et ce sera la dernière occasion de cette première période. 1-0 pour les Verts après 45 minutes de jeu. Retour des vestiaires, les Bastiais sont beaucoup plus entreprenants avec Tony Vérel, puis Hadji qui va pouvoir remiser ici avec Konombo pour Tony Vérel, frappe écrasée de l'ancien Nancéen qui avait évolué notamment avec Oignon du côté de l'AS Nancy Lorraine et qui fêtait ce soir son 300e match en Ligue 1. Attention à Pascal Feinduno. Feinduno qui temporise. Feinduno qui est là dans la surface de réparation. Il est passé pour cette frappe qui vient frapper le poteau de Nicolas Pento qui était complètement battu sous les yeux de Cicolini qui peut souffler. C'est vrai, son équipe est malmenée, mais en tout cas cette seconde période est palpitante. On retrouve Sidibé qui a fait son entrée pour Chibonda. Chibonda qui glisse, qui donne quand même ce ballon à Hadji. Hadji qui va frapper et belle envolée. Magnifique envolée de Jérémy Jeannot qui continue de garder sa cage inviolée. Le dernier but, c'était en octobre dernier face aux Niçois à Gali. Les Verts remettent ça du côté du but de Pento avec ce ballon dans les pieds de Julien Sablé, accroché par Cédric Uras et Monsieur Malige qui siffle pénalty pour Saint-Etienne. Uras avait reçu un carton jaune avant et Monsieur Malige a l'intelligence de ne pas en sortir un second, synonyme de rouge. Pento en a arrêté des pénaltys dans sa carrière. Il se retrouve face à Pascal Feinduno qui ouvre magnifiquement son pied, quasiment à l'arrêt pour le 2-0 à la 87e minute, son 11e but de la saison. Le meilleur buteur de Saint-Etienne fait définitivement chavirer Geoffroy Guichard. Pento, c'est dur pour lui, il a fait un match héroïque et cette équipe de Bastia va tenter peut-être d'aller jusqu'au bout, marquer ce but qui pourrait les relancer. On retrouve Hadji. Hadji avec ce ballon dans les pieds de Sidibé. Sidibé pour Tony Vérel, la frappe de Vérel et c'est encore Jérémy Jeannot qui détourne ce ballon encore. Corner face à Vérel, impeccable Jeannot ici, il est véritablement dans son jardin. Mauvaise relance de Sidibé, ça provite à Camara. Camara pour Feinduno pour Piquion qui est parti à la limite de hors-jeu. La défense bastiaise est complètement arrêtée, erreur parce que là ça fait 3-0. On joue la 92e minute et pour Piquion c'est son 9e but de la saison. Saint-Etienne va s'imposer 3-0 à Geoffroy Guichard et ça fait 961 minutes que Jérémy Jeannot n'a pas pris le moindre but à domicile. Ce soir, c'était du grand, du très grand Saint-Etienne et Bastia devra encore cravacher pour son maintien.